Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous parlons de menu accordéon. Donc, on avait dit, c'est ça le menu accordéon. Okay? Donc, aujourd'hui, nous allons commencer à parler de la fonctionnalité liée au groupe de l'accordéon. Donc, pour toucher aux fonctionnalités du groupe d'accordéon, cliquez, on va dire, vers l'extrémité du groupe accordéon. Parce que si vous cliquez au milieu, vous ne serez pas sur le groupe d'accordéon, mais vous serez sur un accordéon. Donc, cliquez plutôt sur l'extrémité comme ça. Et là, vous serez sur le groupe d'accordéon. Donc, je clique sur l'extrémité. Je suis sur le groupe d'accordéon. Et là, je vais cliquer sur le crayon pour avoir ces fonctionnalités. Donc, si je veux que ça s'ouvre sur le côté, je peux faire ça. Je peux cliquer là, comme ça. OK. Et je vais cliquer sur le crayon. Et j'ai les mêmes fonctionnalités. Donc, ici, par exemple, vous avez réglages généraux. Dans réglages généraux, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les marges. Vous pouvez régler les marges intérieures de votre groupe d'accordéon. Donc, je répète, le groupe d'accordéon, c'est tout l'ensemble. Okay? Donc, si je fais ça, par exemple, là, vous voyez que la marge s'agrandit. Donc, haut, bas. Donc, je peux faire des choses comme ça. Okay. Donc ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire. Pour le moment, je vais le remettre sur 10. Sur 10 également. Hop, bon, allez, ça va être plus simple comme ça. Sur 10. Et celui-ci, sur 10. Aussi. D'accord. Donc ça, c'est ce que je peux faire concernant les marges. Ensuite, nous avons largeur maximale sur les tablettes. Pour ce qui concerne les fonctionnalités tablettes, les fonctionnalités tablettes, je vous recommande vivement de ne les toucher qu'en dernier ressort. C'est-à-dire qu'avant de toucher la version tablette, travaillez sur votre version PC, votre version mobile. Et à la fin, si vous regardez sur la version tablette, il y a encore des choses à modifier en termes de dimension, éventuellement à les toucher là pour le faire. Sinon, n'y touchez pas. Ok, donc on continue. Couleur générale. On va parler de couleur générale. La couleur générale consiste au fait ici, il s'agit de l'arrière-plan. Actuellement, c'est noir. Si je le mets, on va mettre du jaune hein, pour que vous le voyez. Donc là, c'est du jaune. On voit bien, c'est l'arrière-plan. C'est la couleur d'arrière-plan. Si par exemple, je veux mettre une image au lieu d'une couleur, je peux le faire aussi. Je vais mettre une image. OK. Je mets mon image là-bas. Quand je fais enregistrer, vous allez voir qu'au lieu qu'on ait une couleur, c'est plutôt une image qu'on a derrière. Donc vous avez la possibilité de mettre une image au lieu de mettre une couleur. Pour l'heure, je vais ramener sur du noir. On continue. Alors, donc on a parlé de la couleur générale. Donc la couleur générale de notre groupe d'accordéon. Bordure. Donc je peux rajouter par exemple là un trait qui entoure mon menu accordéon. Donc ça, c'est la bordure. Actuellement, il y a un trait, sauf que c'est noir. On ne le voit pas. Donc si on va mettre une couleur que on peut voir et on va mettre du jaune. Donc actuellement, vous avez un trait qui fait le tour. Donc on voit bien la bordure. On continue. Donc on va se mettre pas sur l'accordéon lui-même, mais sur le groupe. Donc on est bien sur le groupe. Si vous avez un doute, regardez là, on est bien sur le groupe d'accordéon. Donc là, on a parlé aussi de bordure et vous savez comment est-ce que vous pouvez manipuler cela. Si je veux que le trait soit un peu fin, je peux régler ça ici. La couleur, c'est là. Donc je clique, hein, je clique dessus et je modifie la couleur. Okay? Autre chose, pour le moment, peut-être que je vais le mettre sur du noir. On laisse comme ça. Et puis le type de trait, si vous voulez que ce soit continu, discontinu, etc., vous pouvez aussi choisir. Arrondi. L'arrondi, au fait, on en parlera. Dans notre prochaine présentation. Si vous voulez créer votre site internet, nous avons créé pour vous une plateforme de formation gratuite. Et pour cela, allez sur notre site advideo.fr et scrollez vers le milieu de la page. Vous aurez un bouton, c'est marqué Je commence ma formation. Vous cliquez dessus, vous créez votre compte et vous aurez des ressources dessus pour pouvoir créer votre site internet. Si vous avez des questions, envoyez-les-nous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, en tapant Agence Web AWDE. On se retrouve dans une prochaine présentation. Bye bye.